jugé, la mise en demeure, l'âme qui jugé. Le prince de monde est jugé. Il pas dit le prince de monde. Déjà jugé, il va juger. Maintenant, la réflexion, nous voulons commencer avec là. Si on a écrit, on met chercher un bic avec un mot sur papier. Parce que parler de jugement, ça là, l'imander pour retourner à zéro. On va commencer à parler de jugement. Comme si on va faire l'histoire du jugement. On va faire histographie de jugement. On a considéré histographie plus de jugement. Mais qui a nous kawé? Le fait que Jésus utilise le mot le prince de ce monde est jugé, c'est ça qui fait n'avoir le venir avec Bagay Sayo n'a venu là. Il dit le prince de ce monde sera jugé, nous avons connu son nom qui peut juger, mais qui pourrait juger demain si tu veux, ou bien qui vient de Wagenchan, l'a jugé pour le pas condamner ou bien pour le condamner. Mais le fait que il dit est déjà jugé, ça montre que il y a un jugement qui prend, il y a une sentence qui est prononcée concernant le prince de ce monde. Pour considérer Bagay Sayo, premièrement, nous devons considérer le jugement du prince de ce monde dans le ciel. Avant le malin, le prince de ce monde, avant de descendre sur la terre, qui côté le terre? C'est dans le ciel. Et l'aile de dans le ciel là, est-ce que le t'es respecté tout principe pour le retenir dans le ciel là? Non, on va t'aider en bas. Ça fait au descendre ni en bas. Ça veut dire, descendre ni en bas, c'est un jugement lié. Mm-hmm. C'est un jugement lié. Donc, vous considérez le jugement et du prince de ce monde dans le ciel, l'aile est dans le ciel comme un ange de lumière, qu'on y a, il n'est pas respecté, principe, il n'est pas respecté des courants royaume, non? Même genre, il n'est pas respecté des courants royaume à suivre ou cela, c'est que ça qui est passé, parce que je te était destitué, il était révoqué. Malgré c'était madame. C'est pas parce que madame yon monde qui fait pour pas respecter. C'est pas parce que madame yon monde qui fait sa boue d'abord droit pour dérespecter. Très important, non pas rentrer dans ça. Mais nous dit qu'il s'en a montré. On a montré le jugement du prince de ce monde dans le ciel. Il était dans le ciel là. Il n'est pas respecté de quoi au royaume. Non, ça a ouvert, il a jeté là. On est à map montro. Dans la reine vaste tout, il n'est pas respecté de quoi au royaume. Non, ça a ouvert, il a révoqué. Et le général Amant qui n'est pas respecté de quorum, ça qui est arrivé. Humilié. On y a, le malin, les mêmes, les vénins, les fins, juger, les descendent. On y a, les arrivé en bas, les joignent Adam et Eve dans le jardin au bien propre. Et les mêmes, les déjà connaissent l'en bas jugement. C'est qui ça le fait? Les antiser, les prendre, les faire, les faire bagaille qui fait, yo même tout, ils viennent en bas jugement. Bon. Ils viennent en bas jugement. Bon Dieu. Donc, on y a, dans l'histographie du jugement, nous avons deux jugements déjà. Premièrement, le jugement de ce temps je déchu. Deuxièmement, le jugement de nos premiers parents. Troisièmement, dans l'histographie biblique du jugement, donc, le jugement des gens avant le déluge. Aujourd'hui, ça dans Genèse chapitre 6. Les Adam et Eve tombés font bonne petite. À tout âge, Adam et Eve te fait petite, même là, ils deviennent grand monde. Même j'entendais Abraham avec Sarah, ils deviennent fait petite dans grand monde. Et Adam et Eve tout yo te fin fait petit dans grand monde. Bon petit petit Adam et Eve sa yo a, bon petit Noé sa yo a, en pile nan yo te vin a fait bagay ki mal. Et d'après Genèse chapitre 6, jugement bon Dieu te vin tombe sou yo. Comment jugement te vin bon Dieu te vin tombe sou yo? Le wa sa, jugement bon Dieu a, c'était pour diminuer la vie l'homme, couper dans la vie l'homme. Longtemps l'homme te gen yon possible pour yon la vie longue, yon la vie à 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, la vie de l'homme est coupée à 120 ans. Ça, c'est la troisième forme de jugement que nous voyons dans la Bible. Première forme de jugement, c'était destitution de ange de lumière. Deuxième forme de jugement, c'est jugement posé sur Adam et Ève. Troisième forme de jugement, c'est jugement qui était tombé sous la reine Vati. Quatrième forme de jugement, c'est jugement qui était tombé sous le général Amant. Cinquième forme de jugement, c'est jugement qui était tombé sous mon yo. Les bons dieux t'ont coupé la vie, descendent yo à 120 ans parce que yo t'est tombé fait trop gago sur la terre. Sixième forme de jugement, c'est jugement des gens de Noé. Le déluge. Le déluge était un jugement. C'était l'homme qui t'a fait un bon bagaille
yo pa te doué fait sous la terre. Bon Dieu voue ba yo avertissement. Bon Dieu voue ba yo yon ambassade pour yo rentrer là-dedans. Yo pa pour avertissement, ni yo pa rentrer dans ambassade là et puis déluge la te vini pour vinn condamner. Après ça, on gagne le jugement des gens de Sodome, les gens de l'eau. Comment Nathan, Abraham, papa Abraham te gen plusieurs petites, Abraham te gen plusieurs frères. Nan frère Abraham yo te gen petite, nan yo te rele l'eau. Les papa monsieur mouri, Abraham senti ses responsabilités pour le capable prendre une neveu pour le mettre bon côté. Et puis l'eau a venu, après avec Abraham yo vin séparé et là yo séparé, neveu si là yo rele l'eau, les vin al reti nan yon zone côté qui te bel en pile. Mais zone nan te bel en pile, c'est vrai. Zone nan te bel, c'est ça qui fait te attirer l'eau. Mais l'eau pas te connaît, même jan zone nan attire li même nan, zone nan a pas tiré volé à tout. Parce que si ou même ou yon bagay bel, qui ça empêche yon volé à ouel bel tout. Si vous même là où vous avez marié, vous choisissez un fille qui est extraordinairement belle. Et l'autre va qu'à bon yodé, même, comment y'a pour elle? Ça fait que l'eau vini, il prend belle là, c'est vrai, mais il pas arrêté pour longtemps la dernière. Parce que les volets à Zenglen de Yovine débarqué, c'est exactement dans la partie par l'eau, y'a allé, y'a point. On est à ce même groupe de monde, ça, qui était resté dans la zone ça. Zone à l'eau, c'est yo même Sodome avec Gomorre, c'est yo même qui t'a tombé, fait un bon bagage. Qui mal et puis bon Dieu vous avez dit yo pas écouté yo continue fait ça qui mal finalement bon, yo pas voyé de l'eau encore mais li voyé des luges détruit monde à yo. D'abord, exemple, l'eau, qui est choisi, mais qui était extraordinaire, côté qui était bon. Est-ce que ça veut dire, non, choix, yon mon affaire, ou pas ta doué, choisi, bagay ou qui trop belle, bagay qui frappe et tout. Premièrement, ce principe-là, moi, nous déjà, depuis où même on choisit un bagay qui belle, l'autre monde déjà, l'autre, ou besoin connaître, c'est pas où même seul qui gagne goût, tout le monde gagne goût. Donc, dès pour remel, tout le monde a voile remel. Dès pour courir d'aide, tout le monde a voile courir d'aide. On est en accasse. Ça, ou ta va dire, il est m'a choisi. Tout a vle, oui. Ou ka dit, au lieu de choisir un bagaille qui belle, plutôt me commencer à choisir un bagaille qui bon. Plutôt me commencer à mettre critères ça devant. Bagaille ça belle, mais est-ce que est bon? On y a dit, ok, m'a choisi bon, m'a choisi ça qui bon, même si il pas plus belle. Ça veut dire, on y a belle bagaille, pas pourri pour un l'horloge, parce que ou après il pose des questions, mais il belle, c'est vrai, mais est-ce qu'il est bon? Ok. C'est de là, grand monde longtemps, il est venu avec proverbe ça, belle fleur. Sans odeur. Oui, gen belle qui bon. Mais c'est pas toute belle qui bon. On y est, si vous mettez comme critère de choix, pas courir des belles bagailles, ma courir des bons bagailles. Là où est un bel bagaille, ou pas courir tomber sous les noms parce que c'est pas critère. On va le checker pour être s'il bon. On y a s'il bon, ok. Mais s'il pas bon, même s'il belle, on va quitter là. Le dit pour nous pas courir des belles bagailles, mais non seulement on va mettre dans critère où on y a un bas des belles bagailles, des bons bagailles, mais aussi des bagailles. Qui n'a volonté, bon Dieu. Tout gagne un premier critère qui dit ma voile des bons bagailles au lieu de belles bagailles. Tout dit mon bon critère ma voile des bagailles qui n'a volonté, bon Dieu, au lieu de belles bagailles. Ça veut dire qu'on y a belles bagailles après il vient en troisième position. Le wap choisi, c'est pas ça qu'a poil premier à tirer. Et le critère ou premièrement, vous avez dit ok, critère moi n'en choisi n'importe ça, n'importe bagaille. A choisi un, ça qui n'a volonté, bon Dieu. A choisi ça qui bon. Et puis belle la vine juste après. Ou même souvenir belle bagaille pas égaré ou ni pas fort fait. Depuis ou n'en cause choisi, au lieu mettez dans tête ou est-ce que m'doué choisi belle bagaille ou non, on y a mette belle bagaille là dans troisième position, ou dit critère de choix moins, premièrement bagaille qui n'en volonté bon Dieu, deuxièmement bagaille qui bon. Et puis qu'on y a, si bagaille là n'en volonté bon Dieu, et puis bagaille là bon, même si bagaille là belle, on y a ou mette choisi parce que, ou pas choisi parce que le belle, ou choisi parce que l'île en volonté bon Dieu et l'épicep mode de jugement ça y aura et si yo nous a parlé sur yo en attendant ou si yo nous bon en attendant comment yon marche à suivre pour capable de jugement du prince de ce monde ou comment le prince de ce monde est jugé depuis qu'il est le prince de ce monde est jugé et avec qui monde le prince de ce monde est jugé avec qui monde le prince de ce monde toujours jugé tout le monde cap marcher selon guidance le prince de ce monde.
monde, nous voyons toujours en bas jugement bon Dieu. Qui deuxième qui gagne la Samos? Le jugement de nos premiers parents. Oui. Gagne ça me manquait. La Reine Valier, Général Amand, les Deluches, les gens de Sodome. Ça me manquait. Ça me manquait. De nos premiers parents. Adèle, premiers parents, ça l'aïe. Oui, j'ai dit. Dis-le, ça s'en gagne. Ou non, elle s'en manque. Gagne le jugement du prince de ce monde dans les ciels. Mais le jugement de nos premiers parents, la Reine Valier, Général Amand, les Deluches, les gens de Sodome. Ok. Sodome, qui a ce jugement dans Genèse, les bons dieux, t'es réduit la vie l'homme à 120 ans. Bien, comme on appelle ça. Les gens de Noé, jugement des gens. C'était les gens de Noé, oui, mais c'était avant le déluge. Uh-huh. Oui, oui, avant le déluge. Les gens de Noé, avant le déluge. C'est comme si Mnado, il y a un jugement dans la période avant le déluge, il y a un jugement dans le déluge et il y a un jugement dans la période après le déluge. Avant, pendant, après. Et chaque te prend une forme différente. On a sept formes de jugement. À partir de yo qu'on a, ou à aller pour aller, ou bien lire passage yo pour ça yo gagne en main sinon yo, surtout si yo gagne longtemps de pouvoir, ou pas lire yo. Et on a un jugement yo non pas mentionné, alors comme Gomban encore, et on a un jugement yo non pas mentionné, c'est le jugement de la tour de Babel. Soit il lire chaque jugement ça yo a, ou à me souvler, ou à pouvoir yon bagay que bon Dieu voulait communiquer. Pas de référence, pas de référence diable dans le ciel. Et premièrement, Jésus dit dans Luc, dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais si vous avez besoin de raison qui fait qu'il était tombé du ciel comme un éclair, on va voir dans Isaïe 14. Donc Luc dit lui-même, lui seulement bon sentence là, conséquence là, Isaïe 14, bon cause là. On est à jugement de nos premiers parents, c'est Genèse 2 et 3. Jugement qui était venu avec la réduction complète de la vie de l'homme à 120 ans, c'est Genèse 6. Jugement qui était venu avec le déluge, c'est Genèse à 9. Jugement de la reine Vassie, c'est Esther, le livre d'Esther, chapitre 1er. Jugement du général Amand, c'est même Esther. Et puis, jugement de Sodome avec Gomorrhe, Genèse 18, Genèse 18, 19. Jugement de la tour de Babel, c'est Genèse 11. Qu'est-ce que c'est le général Amand? C'est Esther. Esther, récite-toi Esther. Ok, merci Esther. Ok, Kounia, pendant que nous avons terminé, quelle question nous gagnons à partir de l'histographie biblique, c'est là un coup d'œil que nous gagnons sur les jugements divins. Nous gagnons 8 histoires mentionnées dans chaque naïo, au cas qu'on idée de jugement, au cas qu'on idée surtout ça au besoin naïo, c'est parce que Jean 16, verset 8, il dit le prince de ce monde est jugé. Donc, Kounia, nous allons avec ou nous montrons depuis qu'il est le prince de ce monde est jugé. Et non seulement nous montrons le prince de ce monde est jugé, mais depuis lors, tout l'autre monde que le prince de ce monde influencé est toujours tombé en bas jugement. Oui. Est-ce que ou pas, ouais, nous sommes capables de parler de jugement des méchants? Parce que David parle de ça et non seulement l'Éternel parle de ça. Donc, l'Éternel dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Dans plusieurs parties, dans la parole de Dieu, je viens de déclaration qui fait concernant les méchants. Oui, on peut parler de jugement des méchants. Ou qu'à rentrer dans son premier, ou qu'à parler de jugement dernier, ou parler de Apocalypse, donc ou qu'à continuer avec liste là. Mais bon. Considérer le méchant, est-ce qu'il va faire partie de bon bois ou bien c'est pas une approche de ce monde-là et tout ça? Oui, parce que les influencés. Oui, évidemment, parce que l'homme méchant, c'est quoi l'esprit à sortir? Et cela, c'est toujours l'approche de ce monde-là. Je vous dis, esprit, mauvais esprit, ça, c'est un souci qu'elle gagne. Tout le monde que l'a il est toujours tombé en bas. En bas, prince de ce monde. Donc, au cas, on lit seulement de 8, mais au cas, qu'on peut lire là, pas gagner aucun problème dans ça, sauf ajouter à l'île. Mais l'idée, c'est que nous devons expliquer à toute la réserve, le prince de ce monde est jugé. Et qu'on y a son besoin qu'on ait, qui ça, le prince de ce monde est jugé, la cause de ce jugement ou la cause de ce jugement, c'est dans le passage où on peut aller. Ou est que il y en a qui était jugé parce qu'il était dans des bosses sexuelles. Mais le malin dans le ciel, ce n'est pas des bosses sexuelles qui fait le déjuge. C'est des sentiments d'importance qui fait le déjuge. Pour où il était vraiment. Donc chaque histoire, il va être jugé. Parce qu'il va être jugé parce qu'il est dans des bosses sexuelles. Parce qu'il va être jugé parce qu'il est volé à faire monde.
si pas te juger, pas si te juger pour insubordination. Pas te vle soumettre li à désir, wa. Donc, dans chaque royaume, y a bon yon compréhension de yon cause différent de gens. Li rete pour même pour point un petit temps pour aller chaque histoire. Et puis pendant ou après histoire, ou déjà connaît bien jugement dans histoire, on est à la voie pendant ou après histoire pour cause qui fait moun sa yo te tombe en bas jugement. Ou bien comment le malin peut influencer moun sa yo a pour yo tomber en bas jugement. Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 40, verset 29-31. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, verset 29-31. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Psaume 27, verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Proverbe 3, verset 24-26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, verset 24-26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, verset 24-26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Personne ne croit dans la parole, ça y est. Ça fait nous appréclamer, nous demander et nous apprêter pour accomplir dans la vie. Non, non, Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, c'est le Père Jésus-Christ, encore une fois, nous comptons pour nous venir dans la prison. Nous comptons pour la présence, pour la paix, pour la joie, la vie, la sécurité, la protection. La présence au Dieu, c'est tout le monde pour nous. Il m'a la paix, côté de la guerre, il m'a guérison, côté de la maladie, encouragement, côté de découragement. Et merci pour l'opportunité que vous avez nous de participer à ce encore un parent. Nous remercions pour tout ce qui permet de nous étendre et ça qui nous apprend. Je mets au Dieu, nous sommes capables de pratiquer, nous sommes capables de transformer la vie, nous et transformer la vie, nous qui à côté de nous. Merci pour le serviteur, pour Dieu qui est toujours disposé pour préparer la vie et pour aider nous tous au Dieu à apprendre. Alors, ça merci des secrets pour toujours revêtir de la toute-puissance dans le toujours remplir au Dieu avec parole, remplir avec cet esprit, remplir avec connaissance, connaissance de toutes sortes. Nous lever famille là, mais on peut dire parfois son va avec nous. Et nous lever chacun de nous à ceux qui dégagent le privilège pour participer dans la place. Merci d'être avec nous. Merci d'être de nos esprits, de disposer de bonnes dispositions, de bonnes concentrations pour permettre de nous bien entendre, nous bien comprendre, de bailler nos privilèges pour nous capables de pratiquer. Et nous compter sur fidélité et les promesses pour faire nous. Et nous promesses que tout ça nous demande dans le nom de Jésus. Fidélise pour faire pour nous. Merci de se toucher nous d'une façon spéciale. Pour chacun de nous, gagner nos besoins, gagner toucher peut-être qu'il est différent. Nous sommes contents de ce que nous avons dit, qu'il y a une solution à tout genre de problèmes, qu'il y a une réponse à toutes questions. Comme vous dites que l'autre monde n'a pas de réponse, mais vous pouvez gagner nous là, ceux qui besoin de réponse à une question à prouver chez nous depuis longtemps. Pas jamais loin de vous dire. Parce que ça, c'est la fin de vous. On va visiter nous. Et bien, nous, je vous réponds satisfaisante. Merci pour grâce qui accompagne nous. Touchez-nous à tous les points de vue spirituels, émotionnels, économiques, physiques, c'est l'homme qui nous baisse. Merci. Nous sommes noyés pour nous, nous sommes continués à faire pour nous. Dieu est toujours fidèle. Pour nous rendre action, les gars, parce que nous pouvons conserver par nos péchés. Au nom de Jésus, qui veut qu'il aille maintenant et pour toute l'éternité. Amen.